Et pour l'équipe de Troyes, l'entraînement reprend aujourd'hui avec en ligne de mire la première journée de championnat le 5 août prochain face à Dunkerque. L'Estac qui évoluera cette année en Ligue 2. Mélanie Cousin et Olivier Maillère les ont suivis ce matin. Après une saison difficile, ils sont de retour. Les joueurs de l'Estac se préparent à la reprise du championnat. Les entraînements s'enchaînent depuis début juillet. C'est très difficile pour eux, mais c'est pour ça qu'on le fait. Mais ils vont bien et ils s'améliorent tous les jours. Il y a beaucoup de fatigue, ce qui est bien pour nous. Nous regardons l'amélioration, ils progressent tous les jours. À chaque entraînement, le coach examine la performance des joueurs. Les bleus et blancs n'ont qu'une obsession, renouer avec les chemins de la victoire. On va repartir sur du renouveau, je pense, dans le jeu avec ce qui a été dit avec, par rapport au coach. Et après, on va prendre les matchs les uns après les autres et on verra au fur et à mesure de la saison. Mais prendre beaucoup de plaisir et essayer de redonner le sourire aux supporters. Avec une dizaine de départs et bientôt autant d'arrivées, la cohésion doit se reformer. Mais la reprise de l'équipe semble prometteuse pour Kylian Dong, formé à l'Estac depuis 5 ans. Franchement, je la sens bien, malgré qu'il y ait des départs, des arrivées. Je pense que tout le monde est dans le même objectif. Et il y a une bonne ambiance, tout le monde met du sien. Du coup, franchement, ça va super bien. La descente en Ligue 2 n'effraie pas ses supporters. Ils étaient une dizaine à assister à l'entraînement. Ils en ont profité pour renouveler leur abonnement. Je suis supportrice depuis l'âge de 19 ans, hein, j'en ai 66 et je continuerai toujours à supporter, hein, dans les bons et les mauvais moments. Les soutenir à chaque match pour montrer qu'on est toujours là, même si on est redescendu en Ligue 2. Et mes attentes, c'est de se maintenir ou de remonter en Ligue 1. Ah ben là, je viens de renouveler mon abonnement, puis je m'attends à voir des beaux matchs. Et l'année prochaine, la Ligue 1. La reprise du championnat est prévue le 5 août. D'ici là, les supporters comptent bien soutenir l'Estac lors de leurs matchs amicaux.